Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies de cette fin d'année 2024 pour vous. Et nous irons voir à la fin du tirage quels sont les deux signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de chances d'avoir de beaux liens, de belles relations, amoureuses ou autres. Mais en tout cas, on ira voir ça tout à l'heure à la fin du tirage. Alors cette guidance sentimentale, elle vient en complément de votre tirage général du mois de décembre que vous pourrez retrouver sur ma chaîne et que je vous ai mis également en description, que je vous invite à aller voir pour plus d'informations. Vous pouvez d'ailleurs aller voir aussi le tirage de votre signe lunaire et votre signe ascendant qui sont tout aussi importants car nous ne sommes pas juste un signe astrologique mais plutôt une combinaison unique de signes astrologiques. Si vous souhaitez découvrir d'autres types de tirages, eh bien je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne, Les Messages de Spirale, sur laquelle on va laisser mes guides s'exprimer à travers les cartes. On ne va pas leur demander d'infos sur les signes astrologiques, sur le mois de l'année, sur le domaine de la vie. On va juste laisser les cartes venir et on va en déduire des messages assez précis. Donc n'hésitez pas à aller voir les messages qui ont été canalisés sur cette chaîne et abonnez-vous pour soutenir ce nouveau projet. Le lien est en description. Et enfin les amis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre une guidance par mail à distance ou plutôt en direct par téléphone avec moi. En tout cas, chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Allez, c'est parti les cancers, on va commencer tout de suite avec l'oracle destiné des flammes jumelles et on va demander 2 cartes pour commencer. Alors, vous avez eu la carte changement à venir et amour inconditionnel. Ce sont 2 très belles cartes ici qui présagent pas mal de choses. Donc, on va commencer par changement à venir. Alors, là, je vous la montre comme ceci. Changement à venir, ça annonce quelque chose d'impactant, quelque chose de nouveau qui peut être à votre initiative ou bien qui va arriver de manière spontanée. En tout cas, sachez que quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, elle est amenée à évoluer normalement vers quelque chose de positif. Ça peut être cependant quelque chose qui vous impressionne au premier abord, à l'image de la personne sur la carte qui ne sait pas à quoi s'attendre vu ce qu'elle a devant les yeux, hein, une espèce de nuage immense comme ça, avec des lumières, c'est très beau, mais ça peut impressionner. Je pense que c'est l'inconnu qui vous attend, ou bien c'est quelque chose que vous avez tellement attendu que là, il y a une porte qui s'ouvre. D'ailleurs, sur le côté de la carte, je n'avais pas vu, mais on voit bien qu'il y a une porte ouverte. Et pour moi, c'est comme si vous décidiez d'aller de l'avant. Pour moi, le mois de décembre, c'est comme si vous faites le bilan de l'année et vous vous dites, bon voilà, il faut que je mette mes dernières cartes sur table, il faut que je tente le tout pour le tout. Je sens qu'au niveau relationnel, les cancers, vous avez peut-être l'intention de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est comme si vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Donc je vous encourage à le faire si c'est vraiment votre souhait. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut arriver dans votre vie de manière imprévisible et qui peut un peu vous impressionner. C'est pas grave, je pense pas que ça soit quelque chose de négatif. On est sur un tirage sentimental et affectif, donc je pense qu'il est question de ça. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir vers vous, une nouvelle rencontre, qui permettrait d'ouvrir cette porte finalement et de vous donner une sorte d'aperçu de ce que pourrait être votre avenir sentimental. Ensuite, vous avez la carte amour inconditionnel. Alors, magnifique carte, hein, on y voit vraiment un couple, hein, un homme, une femme qui se font face. Ils ont tous les deux l'air apaisés. Et puis, bien sûr, le message de cette carte est très puissant. On parle de l'amour inconditionnel. C'est l'amour le plus pur qui soit, puisque c'est un amour indépendamment des défauts, des aspects négatifs, etc., de la personne ou de soi-même d'ailleurs. Alors il est vrai que ça pourrait concerner l'amour sous forme de compassion envers vous-même. Peut-être que certains d'entre vous, au mois de décembre, vont apprendre à s'aimer davantage. C'est tout à fait possible. Mais je ressens quand même que le tirage a tendance à être destiné à vous plus une autre personne. Je vous vois en fait, il y a une relation avec quelqu'un en fait. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, l'amour inconditionnel, il va arriver vers vous en décembre. Vous allez ressentir un amour puissant, les cancers. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous n'avez peut-être pas encore réalisé à quel point cette personne vous plaît ou à quel point vous l'aimez. Ou bien vous êtes actuellement en couple et on a un amour qui peut se décupler davantage avec votre partenaire de vie, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais l'amour inconditionnel, c'est une carte
lorsqu'elle sort dans un tirage, évidemment, elle souligne le fait qu'on va être soumis à des émotions très intenses, mais très belles également. On est vraiment sur quelque chose de très positif pour vous les cancers. Attendez-vous peut-être à vivre quelque chose de tellement puissant, peut-être totalement nouveau, si on prend en compte également changement à venir, qui pourrait même vous transformer de l'intérieur. Ça peut opérer une sorte de transformation en vous, qui pourrait vous amener à faire des choix qui vont transformer également votre vie à l'extérieur. Donc, bah écoutez, on va aller voir le reste du tirage pour en savoir plus, mais vraiment, il y a des belles choses qui s'annoncent. On va utiliser maintenant l'oracle du soleil. Alors, pour les cancers, décembre 2024, s'il vous plaît, dans le sentimental. Vous avez la négociation. L'agitation. Ainsi que la fortune. Waouh, les cancers, c'est un très très beau tirage ici. Vous avez des cartes... ouais, je suis presque émue en fait, parce que je sais à l'avance ce que je vais vous dire là par rapport au message des cartes, et ça me touche beaucoup. Enfin, je ressens quelque chose du domaine presque du pardon envers vous-même ou envers quelqu'un. Il y a un apaisement qui va arriver sur le mois de décembre, c'est ce qu'on me fait ressentir là. Il y a un apaisement qui arrive. Et vous allez être dans la lumière en plus, dans la chance et dans la lumière. Vous avez la carte de la fortune, qui est vraiment une carte excellente pour tous les domaines de la vie. Il y a quelque chose qui va s'arranger, c'est ce que j'entends. Alors, vous avez d'abord la carte de la négociation. Donc, c'est une carte qui nous indique qu'il va y avoir des discussions importantes au mois de décembre entre vous et une personne importante dans votre vie. Je précise, petite parenthèse, qu'un tirage sentimental peut aussi faire référence à une relation de famille ou amicale. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un tirage qui va souligner les relations avec les gens que l'on aime, point final. Donc, ça peut être de l'amour. Attirance, amoureux, etc. Ça peut être de l'amour familial, on aime ses parents, ses frères et sœurs, des membres de la famille, ou bien une amitié très puissante également, fusionnelle. Donc dans tous les cas, une négociation, ça veut dire qu'on va essayer peut-être d'arranger les choses. Il y aura une discussion ouverte, que ce soit à distance, par message interposé, par téléphone, ou peut-être même en face à face. Mais la carte de la négociation, ça nous parle quand même d'un apaisement, d'un équilibre qui va se retrouver. En tout cas, on cherche à ramener de l'harmonie et de l'équilibre parce qu'il y a l'influence du signe de la balance. Donc quand on cherche à négocier quelque chose, c'est qu'à la base, on a deux parties, enfin deux personnes qui n'ont pas le même point de vue et on va essayer en fait de rééquilibrer pour que les deux personnes partent sur une base à peu près stable. On va faire en sorte finalement que ce soit équitable. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à une demande de pardon, que ce soit vous ou bien une personne qui vous demande pardon d'ailleurs. Ça peut être également une volonté d'arranger les choses et peut-être parce que vous avez aussi des perspectives d'avenir avec cette personne que vous n'aviez jamais encore envisagé jusqu'à aujourd'hui. Je vous sens soumis à une émotion super intense. Avec l'amour inconditionnel, on prend conscience que la personne, malgré les défauts, malgré les problèmes qu'on a eu dans le passé, malgré peut-être les embrouilles ou les disputes, on sent que cette personne, elle est faite pour nous, quoi. On est complètement sous son charme et on a une sensation de complétude. On a vraiment un sentiment d'amour mutuel et intense et pur, enfin, tous les adjectifs que vous voulez, mais qui sont ultra positifs. Vous avez également la carte de l'agitation. Alors ici, c'est la force du bélier combinée à la planète Mercure, donc on va retrouver une espèce de regain d'énergie vraiment dans votre vie affective, c'est-à-dire que vous serez très motivé, plein d'énergie pour accomplir beaucoup de choses en fait. Vous aurez envie, vous ne saurez plus vraiment où donner de la tête. Avec l'agitation, on a plein de choses positives qui nous arrivent, et on a aussi pas mal de rendez-vous, pas mal de choses à régler. Je vous conseille d'être très organisé en fait au mois de décembre les cancers parce que ça risque de bouger pas mal pour vous. Mais on sent qu'il y a de la joie derrière, on sent que ça va bouger, vous allez suivre le rythme, mais ça va pas forcément vous déstabiliser. Ça demande juste d'être organisé, de faire confiance aussi à votre façon de gérer les choses et puis faire confiance un petit peu en l'avenir. Mais pour moi, l'agitation, le côté positif, c'est qu'il y a plein de choses, plein d'opportunités qui arrivent, des choses qui peuvent vous rendre vraiment très joyeux. Mais par contre, le côté négatif, ça va être que si vous n'êtes pas assez organisé, justement, vous risquez d'être un petit peu confus, perdu et de louper des chances, des opportunités. Donc l'agitation, énergie du bélier, on est impulsif, on y va à fond, mais contrôlez tout de même cette énergie, parce que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un débordement d'énergie. Après, franchement, ça annonce quand même de très belles choses, notamment dans les relations amoureuses, pour le coup. Donc là, agitation, ça veut dire qu'il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui arrivent, on a envie de planifier aussi des choses à deux avec cette personne.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi la carte de la fortune. Ici, c'est le signe du lion dans le soleil. Donc, vraiment, on a une double signification de lumière, d'être mis en avant, de briller, d'être remarqué. Ça peut aussi traduire une sorte d'envie d'être remarqué. Mais en tout cas, je pense que les cancers sont très favorisés sur le mois de décembre. La fortune, c'est synonyme de chance. Hein. C'est pas la fortune au sens propre avec l'argent. C'est la fortune dans le sens... la bonne fortune, donc voilà, c'est comme si vous aviez un fer à cheval ou un trèfle à quatre feuilles avec vous, qui vous porte un petit peu bonheur. On sent que vous êtes accompagné par des énergies très favorables au niveau de vos relations amoureuses, de vos sentiments avec une personne. Donc si vous êtes en couple au mois de décembre, les cancers, ça devrait être un mois très doux pour vous. Si vous êtes célibataire, je sens que vous vous ouvrez davantage, grâce au changement à venir ici, vers une personne que vous connaissez ou vers une nouvelle personne, mais quelle que soit la situation qui vous concerne, c'est vraiment très très bon ce qu'on a ici. Voilà les amis, je vous propose de continuer avec l'oracle de la citadelle. On va demander une carte conseil ou un petit message à méditer pour vous sur le mois de décembre. Alors, c'est la carte du combattant qui nous parle de manque d'empathie et de confrontation. Voici votre message. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation les points levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Alors, je vous rassure, les cancers, les mots employés sont peut-être pas les bons dans le livret de cette carte-là, mais on nous parle quand même effectivement d'un excès d'énergie qui peut vous mener à peut-être dire des choses que vous n'avez pas assez réfléchi, que vous pourriez regretter. On sent un esprit très combatif ici, on a envie d'aller au front, on a envie non pas de se battre, mais on a envie de résoudre un problème, de résoudre une situation. Le manque d'empathie évoqué dans cette carte-là, ça peut concerner une partie d'entre vous sur le fait qu'il y a peut-être tendance à rester sur ses positions, ne pas être assez ouvert d'esprit, ne pas arriver à se mettre à la place de l'autre. Si par exemple vous essayez d'arranger les choses avec un partenaire amoureux, peut-être que vous n'allez pas réussir finalement, malgré cette volonté d'arranger les choses, à bien comprendre ce que cette personne a vécu et à vous mettre à sa place, donc tout simplement. La confrontation ici, c'est pareil, c'est pas une confrontation forcément dans le sens combatif, dans le sens négatif, on n'est pas en train de se battre en duel ici, mais on sent que de toute façon, il y a vous, il y a une autre personne, et il va se passer des choses, et on a envie que ça se passe bien. Donc pour une partie d'entre vous, il va quand même être question, au mois de décembre, de se retrousser les manches, de prendre les choses en main, et puis d'essayer de tout faire pour rétablir l'équilibre dans une situation. Quoi qu'il en soit, si on regarde l'ensemble de ces cartes qui sont sorties, ça reste un tirage ultra positif. Je pense que vous allez avoir cette énergie vraiment comme un feu intérieur, très motivant. Et puis, pour certains d'entre vous, il y a quand même quelque chose de très beau quand même au niveau sentimental. Et c'est comme si là, vous n'aviez plus envie de jouer. Vous n'avez plus envie, en fait, de perdre du temps. Vous avez soit envie d'arranger une situation avec une personne parce que ça s'est pas très bien passé et ça vous pèse un petit peu dans l'âme. Vous avez envie de... Vous n'avez plus envie de vivre avec ce poids-là. Peut-être que c'est vous qui avez quelque chose aussi à expliquer à la personne ou à vous faire pardonner. Peut-être que c'est cette personne qui vous a fait du tort et qui devrait pouvoir, lors d'une conversation, vous apporter un petit peu des explications pour apaiser un peu votre mental. Mais bon, franchement, je pense que c'est de bon augure tout ça. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour vous les cancers. Donc maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on va aller voir avec l'oracle des 12 guidances astrologiques quels sont les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel en décembre, les amis. C'est parti. Alors, nous avons les Verseaux pour commencer, ainsi que les Balances. Alors les amis, rassurez-vous, si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher.
C'est juste qu'il ne faut pas écarter tous les autres signes. C'est juste que c'est deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel de développer des relations vraiment sympas, avec qui vous aurez des points communs. Ça peut bien sûr parler de nouvelles amitiés, ou tout simplement, si vous connaissez déjà des personnes de ces signes, ben vous allez peut-être vous rapprocher de ces gens-là et passer de très bons moments. En fait, vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde avec les Verseaux et les Balances, mais ça ne veut pas dire que les autres signes, qu'il n'y a pas de belles choses à vivre également aussi. C'est juste à titre indicatif. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, c'est important pour ma chaîne, pour l'aider à se construire et à se développer. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aller voir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour découvrir quels sont les messages qui ont été captés, voir si ça peut vous parler. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale, pour des petits tirages express en quelques minutes qui vont compléter les guidances de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. On se retrouve dans quelques jours pour le grand tirage de l'année 2025. Et d'ici là, portez-vous bien.